Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur Jésus te bénisse, toi qui m'écoutes. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons présenter sur mon Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, Dieu fidèle, Dieu juste bon. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as donné la joie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Paix et joie sur toi qui m'écoutes. Alléluia. Nous allons prendre Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'être libre? N'est-ce pas merveilleux d'être affranchi? N'est-ce pas merveilleux de se sentir libre? Alléluia. Jésus-Christ est venu te donner cette liberté. Tu fais de quoi de cette liberté? Il faut évangéliser. Alléluia. C'est la pensée du jour. Il faut évangéliser. Parle de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est réel. Il est fidèle. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le démon, les esprits méchants, mais surmonte-toi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ sera avec toi. Je vais te dire ce matin que Christ nous a affranchis dans le livre de Romains 8, le verset 2, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est réel. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Alléluia. Ne reste pas dans l'esclavage. Sors de là. Jésus t'a affranchi. Quand on parle d'affranchir quelqu'un, ça veut dire que nous étions esclaves quelque part. Quelque part, nous étions condamnés. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous a rendus libres. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma sœur. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Il faut prier ton Dieu. Demeure ferme dans la prière. Que tu ne sois pas là pour quoi que ce soit, pour les démons, pour les esprits impurs. Tu n'es plus esclave. Il faut obéir à la parole de Dieu. Avance dans la prière. Il faut dire au Seigneur, aide-moi. Alléluia. Parce que le péché conduit à la mort. Sois obéissant jusqu'à la fin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Que l'Esprit du Seigneur soit sur ta vie. Que l'Esprit du Seigneur te conduise tous les jours dans la liberté. Paix et joie. Amour, élévation. Toi qui m'écoutes ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est la pensée du jour. J'avais voulu vraiment partager ce verset avec toi qui m'écoutes. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Que le Seigneur soit avec toi dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi au volant de ta voiture. Que le Seigneur, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion soit avec toi. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, réjouis-toi. Tu es libre, tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Tu n'es plus esclave des démons, tu n'es plus esclave des fétiches, tu n'es plus esclave des sorciers. Réjouis-toi. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ te couvre et je te donne un conseil, demeure sous la croix. Sous la croix, il y a beaucoup de bien. Et sous la croix, il y a la santé. Sous la croix, il y a tellement de richesses. Alléluia, tu veux être prospère, demeure sous la croix. Tu veux une maison,
demeure sous la croix. Tu veux une élévation quelconque, demeure sous la croix. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu veux que cette paix, cette promesse s'accomplisse dans ta vie, demeure sous la croix. Sous la croix, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est notre pensée du jour. Bonne journée. Au revoir. Nous allons terminer par la prière. Excusez-moi. Père Tout-Puissant, je veux demeurer sous la croix. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci éternel Dieu des armées. Merci notre rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.